Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour une nouvelle campagne sur la chaîne Sartosa, les côtes vampires. Un choix qui a été fait du coup par la commu. J'ai proposé trois choix, Elebron, Arcane et Sartosa. Il faut savoir que c'est mon deuxième essai réel. Parce que là pour le coup, on a décidé d'arrêter le premier parce que ça semblait être perdu d'avance. On va éviter de répéter nos erreurs. Après, il y a l'aléa, on va voir ce que ça va donner. Mais normalement, notre départ, déjà, il est optimisé. On sait vers où se diriger. Mais on sait aussi les conséquences, en fait, de... Alors, c'est pas vraiment les conséquences, parce que je pense que tout au tard, ils vous déclarent la guerre, les Bretonniens dans le sud. Mais on sait c'est quoi leur objectif, en fait. Simplement de venir en permanence faire chier dans le nord. Et donc, Sartosa. C'est pour ça qu'il va falloir arriver à un moment à établir de bonnes défenses pour que ça devienne juste un gagne-pain qui nous rémunère en permanence et pendant ce temps-là, nous, on essaye d'évoluer. Allez. Donc on s'est arrêté au tour 50, je crois. Notre campagne, c'est fini au tour 50. Alors, notre départ, on va poser une crique ici, donc Lucchini, hop. On va faire chaque chose en son temps, comme ça tout le monde peut voir correctement. On fait rejoindre notre artilleur qu'on va essayer de ne pas perdre. On a des objectifs avec eux, on connaît, on sait comment les évoluer. Ça, il n'y a pas de souci. On établit une crique. Comme d'habitude, il faut savoir qu'on a un trésor qui va pop précisément... Attendez. Bah, je vais y arriver. Voilà. Ici. Du coup, on va se mettre en mode tac. Voilà, ça va nous permettre de débloquer ce trésor. Du coup, on commence avec 7588 tout de suite. Derrière, on se remet en camp. Ici, on crée notre creek avec les revenus générés. Alors, du coup, tu me disais tout à l'heure, Nogle, par rapport à ça, c'est toi, t'étais plus chaud pour ça. La taverne corrompue, je crois. Pour la corruption. C'est vrai que ça peut être intéressant si à un moment ça passe pas, mais je pense que les rébellions... Enfin, quoique, on a vu que les rébellions côte-vampires, c'est pas du tout les mêmes que les vampires. Et pourtant, c'est la même faction hein, qui nous attaque. Hein. C'est des vampires. Sauf que chez les vampires, votre rébellion, c'est des lanciers squelettes avec un peu de garde des cryptes, un héros vite fait et des chevaliers noirs. Contre les côtes vampires, les vampires c'est du Vargufle, du Varguest, beaucoup de gardes des cryptes et beaucoup de chevaliers noirs. C'est pas le même niveau. Donc il faut savoir se défendre à ce moment-là. Je vais quand même continuer sur l'économie. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la création du mortier. On va essayer d'en profiter au maximum et on va faire un peu d'argent. Voilà. Et en dernier, la création, donc là du coup, la cabine des officiers. Alors j'ai le choix entre ça. Oh. Et ça. Ça, on y gagne tout de suite. En expérience en plus. Je pense pas que ça fera une grosse différence. Donc je préfère partir là-dessus. Et au niveau de notre technologie, on va aller chercher l'artiste marin. Donc on va aller d'abord... au commandement boucanier, mais ça on s'en fout, pour aller chercher le porté de déplacement et le champ de vision de 50% qui va pas mal nous aider. Derrière, on ira chercher le taux de reconstitution, mais non pas 2, mais 2 ici, donc 10% régénération surnaturelle. Et on a trouvé un nouveau truc qu'on optimisera, c'est ça après. Le charpentier du navire, 50% pour les bâtiments du navire en moins. C'est juste trop bien. Donc je pense que en gros on part là-dessus, on part sur l'artiste, on part sur la récupération pour la régénération et enfin sur le charpentier. On ira chercher l'astrolabe et après je sais plus ce que je prenais. Mais je crois que l'ordre public serait peut-être pas si mal à un moment, ça calme les choses. Allez, ça, marcheur évidemment et œuf de poule. Ouh.
Franchement, je refais un try comme ça, Nogle, mais je comprends vraiment l'idée de mettre ce truc en place. Hein. Parce que ça fout bien la merde, l'air de rien. Miragliano, on va pas pouvoir la capturer avant un bon moment. C'est comme ça, parce que c'est ultra défendu, il n'y a pas d'occasion, enfin bref. Voilà, voilà. Alors on va à fond. Ici finalement, on crée ça, c'est de l'argent. Ok, on a déjà pu en... Oh, merde, 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 merde. Ouf. Ouf. J'avais oublié aussi. Faut faire le petit pack de non-agression avec Ikit. Ikit, ça va être notre bouclier. Il faut... On va l'aider à évoluer. Ça va pas être facile, mais on va l'aider. Ah non, trop loin. Donc là, on a des revenus qui sont quand même conséquents. À nous de recruter l'armée en fonction. Non, j'ai pas réussi, mental. J'ai pas réussi. J'ai préféré arrêter parce qu'il y avait beaucoup trop d'armées qui arrivaient et qui me faisaient chier sans arrêt. Ces modifications d'emote, quoi. Ah là là. Ça fait plaisir. Il y avait vraiment pas mal de monde aujourd'hui. Merci beaucoup les gars. Merci énormément. Et d'ailleurs sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Hein. Si vous voulez voir les campagnes bien avant. Enfin, on essaye pas forcément bien avant, mais il est vrai que c'est quand même bien en avance. Malgré moi. Alors on a le mortier disponible. On va commencer par ça. Quoique... Parce qu'après j'aurais plus d'argent. 6, 12, 18. Ouais non. En fait ça change rien. 158 pour... Donc à tout moment on pourra avoir un Mongul. Faut juste espérer qu'il vienne tôt. Normalement, enfin, il est arrivé vers le tour 6-7 une fois. Il est arrivé vers le tour 9-10 une autre fois. On est bon, on a déjà tout fait, oui. Au départ, c'est assez... Donc là, vous voyez, on est... Oh, on a un accord commercial tout de suite avec Ikit. Ça, c'est plutôt bon, ça. Donc là, pour l'instant... Très cool. Alors, lui, j'espère au fond de moi qu'il attaque Miragliano, mais bon... On va pas lui demander des miracles. Je n'oublie rien. Hein. Faut pas hésiter à me le rappeler les gars si jamais j'oublie quelque chose. Hein. Ouais, je dois pas faire la même erreur, mais le problème c'est que l'aléatoire il change beaucoup aussi du coup mental. Si l'aléatoire il est pas en ma faveur, je vais peut-être pas réussir de la même façon du coup. Allez, on continue de créer notre armée. On en prend deux et un dernier mortier. Là, normalement, on a un Mongul qui va prendre place. On a l'arquebusier. Ok, autant le prendre après. Donc là, on va être... Alors, attendez, chaque fois, je dois refaire le calcul. On va être 16 avec l'arquebusier, on va être 17 avec le Mongul, on va être 18. J'ai oublié quelque chose. Mais quoi? Mongul.
Je sais pas. On verra bien. Allez, on l'a dit, on va chercher l'artiste marin. Donc, Ikit, s'il te plaît, survie. Ikit, fais quelque chose de ouf. Allez, vas-y, Ikit. Ikit, je sens que là, sur cette partie, au moins 130 de QI. Donc voilà, il recrute comme d'habitude. C'est pour ça qu'on peut pas capturer, c'est qu'il fait que camper ici et on peut pas. Peut-être un dernier mini Sartosa du coup. Parce que là ça ferait 17, Mongul 18. Kadavoufi 19. On n'était pas 20 avant? J'avoue que je suis... Qu'est-ce qui fait qu'elle est capable de recruter des machins là? Ah, si j'ai ça niveau 3, je suis capable de recruter un capitaine. Hein. Il faut retenir ça. Si je peux déposer une crique rapidement, on le fait. Hein. Écoutez, je crois qu'il est temps d'y aller. Donc là, on va aller dans le sud. On va aller poser nos mernes dans le sud. Le Mongul devrait pas tarder à arriver. Merci Lucas pour le follow et bienvenue à toi. Bam 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 bam. Je suis juste en train de réfléchir à un truc. Bizarre parce qu'on va être 17 avec le cadavre, 18 avec le Mongul et j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout assez... Après, si, il y a l'arquebusier, du coup. 17, Mongul 18, 19. Ouais, bah non, c'est bon. Allez, ça ira comme ça. C'est pas ça qui fera la différence. Let's go. On va essayer de prendre les infos ici. On verra ce qui se fait. Pour l'instant, on gagne pas énormément, mais on va patienter. Ah oui, non mais là, c'est beaucoup plus tard, ça. Oui, c'est sûr. Encore les épaves animées, à la base, j'en veux pas. Hein. Pas avec elle. Avec elle, c'est les Prométhéens. On est parti sur Léviathan Prométhéen. Le reste, on verra plus tard. Do you know who I am? Lord of Bretonnia. Donc comme d'hab, on sait que lui il se touche. Voilà, avec ses deux armées. On sait qu'en passant par là, on va croiser le vampire. Qui n'aura pas d'armée. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas d'armée. Donc ça va être une cible facile pour une crique. Je surveille un peu lui. Non mais lui pourquoi il fait rien en fait? Bon, lui il est voué à mourir, ok, mais l'ennemi qui d'ailleurs? La dynastie rafle. Et comme tu veux. On va foutre tous nos héros sur des Prométhéens et on va partir en mode bigorno. Donc lui, il y a moyen qu'il nous poursuive. Peut-être pas. J'espère juste qu'il s'attaquera pas à la ville. Après, son armée est nulle. Hein. Maintenant, il en a deux quand même. Hein. Donc on attaque ici. Donc ça, c'est une cible facile.
Oh, coffre maudit. Uh-huh. Voilà, donc là, il est possible que notre ami bretonien cherche à le capturer. Sinon, on improvisera, parce que c'est ce qu'il fait à chaque fois, mais on sait jamais. Le monde Gull peut arriver à tout moment, mais pour l'instant, il se touche. Allez, de nouveau l'argent. Un peu l'armée du fruit de mer, c'est ça. Donc là, il décide de me poursuivre. Là, le schéma se répète pour l'instant. On est sur le même schéma. Vraiment, c'est un truc de ouf. Hein. Le schéma, il est en permanence pareil. Hein. Yes, the winds blow true. Alors du coup, il va décider de capturer. Moi, ça m'arrange. Lui, c'est une armée nulle. Le problème, c'est que, est-ce que je me mets que là? Come, sea brigands. Ou j'avance au maximum. See, father. More moving, less moaning. Praise Manan. Get me water. Ouais. Pour l'instant, ça se répète. On recrute pas, ça sert à rien. Ici, on se fait de l'argent. Et on attend. Lui, c'est tentant de le raser, lui, hein. Mais bon. Peut-être, peut-être. Je sais pas du tout ce qui me rapporte réellement en argent, mais... Ouais, il décide de capturer. Donc nous, du coup, on va faire pareil de son côté. On va foutre une crique dedans. On va potentiellement attaquer son armée. Il y a une armée de 10 dedans quand même. Hein. 10. La dernière fois, ils étaient beaucoup moins quand même. Hein. Allons-y quand même. On a 3 mortiers. On sait qu'on fait mal. De toute façon, on n'a pas le choix. Et on peut y aller directement. J'ai toujours pas le Mungul. C'est pas comme si ça m'embêtait un peu, mais bon. Pas beaucoup. Parce que là, sur l'essai qu'on avait fait, non pas le... Enfin, quand on essayait un peu pour essayer, pour comprendre, et pas le vrai essai pour l'enregistrer, le Mungul arrivait tout le temps. Et du coup, je crois que dans cette bataille, on pouvait l'avoir. Mais bon. Mais bon. C'est comme ça après, hein. On choisit pas l'aléatoire. On va essayer de sauvegarder nos canonniers au maximum parce que eux, ils font vraiment des dégâts de dingue. Captain.
Connery White. Good meeting, Wayne. Ok. Allez, on va devoir enfoncer la porte avec nos Prométhéens. Va juste falloir, va falloir faire attention, c'est tout. En espérant qu'il n'y ait pas le bug de la porte, hein. On le connaît. Donc là, tout est en mode garde automatiquement. Ça, c'est propre. Parce qu'avec cette armée-là, on passe notre temps à être en mode garde, hein. Mais c'est un truc de fou! Allez, on attend tranquillement. Tu vois, voyez, ils enfoncent super bien la porte, hein, pour l'instant. Allez, vas-y! Faut vite qu'elle arrive, par contre. C'est bon, elle arrive. Donc là, faut les empêcher de fuir, eux. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. Alors, je vais pas pouvoir avancer pour l'instant parce qu'ils sont tellement en train de... Comment ? Oh ouais, lui, c'est bien, lui. Ok. On les laisse sortir. Tant qu'ils sortent, je ne rentre pas avec mon gros câlin.
Company Militia! Powder dry! Vergossa's finest! Free Company Militia! Shields up! Ok, c'est bon, ils ont fini de sortir. Ouais, je crois qu'ils ont fini. Parce que lui, il doit esquiver tout le monde. Hein. Autant chez nous que chez eux. Hein. Ah non, mais c'est pas possible, il y en a encore un. J'arrive pas à l'emmener. Cassez-vous. On veut pouvoir le faire tranquille. Mais regardez, il quitte la ville. Allez, va capturer ça, tu sais quoi. Non mais... ça se termine jamais. Ah, je crois que c'est bon. Là, nous avons des hommes d'armes confiants. Non, 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 non. C'est bon, on peut passer? Non? Ouais. Ok, on va éviter de tirer sur nos propres troupes quand même. Non, mais non, ils ressortent, hein. Voilà, c'est parfait. Si les autres nous emmerdent pas. Free Company! Quick march! Ben non, ils se cassent aussi, eux. Hein. Pas possible, ça. On n'aura jamais la paix. Yo Dragon! Trop de cric, tu peux envoyer creuser des trésors lointains. D'accord, c'était ça que tu me disais, c'est le cooldown. Ok, t'aurais dû me dire cooldown dès le départ parce que je t'avoue que je comprenais pas trop ce que c'était. Ok. C'est bon, on peut rentrer? Oh, vous me faites chier. Bah voilà. Bah t'es sûr hein. Il allait péter direct hein. On peut même pas passer. Bon bah il se casse, c'est bon. J'ai jamais pu prendre la porte avec mon truc parce qu'il se casse dans le sens où je vais. Ils m'ont fatigué. J'en pouvais plus. Parce que du coup, j'essayais de comprendre le truc des 14 tours. Mais tu sais, des fois, je vois le truc. Si je comprends pas, je passe un peu à autre chose. Mais tu me parlais du cooldown. Ok. Parce que je savais pas s'il y avait un cooldown, moi. Allez, on établit une crique. Et on est bon. Ça, c'est parfait. Du coup, on recrute d'avance un petit machin parce qu'on sait ce qui risque de se passer. Lui risque de vouloir débouler à fond et on va vouloir le tuer, probablement. Ah merde. Ah merde. Oh, j'ai pas assez du coup pour la crique. Oh, c'est pas grave. Mais son armée, on va la détruire, de toute façon. Reconstitution. Ok, bah passé.
Allez, cette fois-ci, il faut que ça passe. Hein. Franchement, on fait un bon départ, je trouve, quand même. Hein. On évite... En fait, on fait pas un départ aléatoire. On fait un départ, quand même, où l'IA a une réflexion qui l'amène à chaque fois à plus ou moins faire les plays qu'on prévoit. On pourrait voir ça un peu comme de l'exploit. Un petit peu. Mais c'est pas vraiment ça. Oh, ça, c'est une armée, quand même, qu'on peut aller choper, hein. Est-ce qu'on s'éviterait pas une perte de temps à essayer de remonter et on va lui casser la gueule à cette armée et on n'en parle plus? En vrai de vrai. Donc c'est bien un artilleur. Si ça avait été un capitaine, j'aurais hésité. Parce que y a moyen qu'ils viennent poser des crics. Mais là, non. Vous voyez, c'est soit un artilleur, soit un tourmenteur. Donc on prend forcément un tourmenteur. We're ship-shape. Alors, est-ce qu'il y a moyen de le choper, lui ? C'est un peu emmerdant en soi. C'est un peu emmerdant. C'est soit je fuis par là, comme d'habitude en fait. Soit je... Oh! Oh, regardez qui est en guerre contre lui. Oh oui, faut vite revenir. Parce que Miragliano, ça se trouve, on va l'avoir plus vite cette fois. Ouais, bah je reviens. Alors il pourrait se dire avec son armée, je vais essayer de le faire, mais ça sera toujours pareil. Là, ça changera pas. Le monde Gul, ce qui compte, c'est que tu viennes le plus vite possible. Alors, je sais pas encore par où tu vas passer pour venir dans l'armée, mais il faut que tu viennes le plus vite possible dedans. Parce qu'un monde Gul, c'est trop bien. Ouais, c'est trop loin. Ok, dans deux tours, on a le truc, hein. Parce que là, si les nez cassés font chier Miragliano, faut savoir saisir notre chance. Hein. Oh là là, surtout que lui, en plus... Non, mais par contre, c'est pas genre les nez cassés, ils ont Miragliano. Hein. On va pas être d'accord là-dessus. Hein. Non, les nains, franchement, Nob, comment veux-tu que j'aille taper les nains, en vrai? Les nains, c'est des brutes. C'est des armures sur pattes. Comment je vais jusqu'à eux? Mon armée, elle fait pas du tout les nains, là. You dishonor me. Si j'avais l'attaque éclair, je vous l'aurais mis, hein. Je vous l'aurais mis ce truc. Allez, on passe par là. On y va à fond. Hein. De quoi? Ah, faut taper les nains après. Ah, tu me parles de cela. Ok. Ok, ok. Alors, je sais pas où est Jeanne. Mais Jeanne, si t'es pas là, je te pose une crique direct dans ton truc. Hein. Je te préviens. Et donc, du coup, lui, il vaudrait mieux qu'il passe par là, là. Je pense. I hate the heat.
Parce que eux, si je vais les chercher, c'est une emmerde. Hein. Je peux pas... I am Citra, blessed of Pictra, lord of the great Mortis River. My dynasty reigns supreme. Pas d'ennemis, pas d'ennemis, deux ennemis. What? Et en fait, c'est ça qu'il aime pas, c'est que je m'introduis chez l'autre là. For Britannia, I will listen out of courtesy. Imaginez, elle disait oui, un pacte de non-agression. J'aurais rigolé. C'est jamais, hein. C'est juste chiant, c'est que là, je gagne un peu moins d'argent, je crois, qu'au truc d'avant. Parce qu'il y a moins de guerre. Mais on va pouvoir quand même y arriver. Pour l'instant. Allez, Ikit, faut te défendre, là. Ikit, s'il te plaît, fais-toi respecter. C'est pas un humain sorti tout droit de je ne sais où. C'est même pas l'Empire, c'est même pas l'Ordre Doré, c'est même pas... Inconnu au bataillon, tu vas pas te faire manquer de respect par eux, hein. Donc lui, en fait, il est en train de me poursuivre. Écoutez, des fois, on dira qu'on comprend pas, et puis c'est tout, hein. Donc là, évidemment, il retourne là-bas. Oh putain, il me déclare déjà la guerre, lui. C'est pas bon signe, ça. Hein. Parce que lui, il va se toucher et il va juste m'envoyer des armées. Allez! C'est ma tournée! Putain, je croyais que je laissais sur place un truc. Ok. Et le monde Gul, dès qu'il peut, il est dedans. Normalement, je me fais pas attaquer. Donc là, on a dit qu'on allait chercher la reconstitution, mais après, on va chercher l'artiste marin. Parce que sur le temps, c'est une bonne économie d'argent, quand même, cette bannière. Puis dès qu'on a un nouveau héros, enfin, un nouveau seigneur avec un navire, on lui fout ça, hein. Yes! Allez, fais le chier. Les orques, c'est moins chiant que les humains, je crois. Hein. En vrai. Hein. Donc bon. Donc au final, on court toujours de la même façon. Ah, merde. Ok. Au départ, les pirates ont l'air de nous laisser tranquilles, donc... Voilà, on a notre armée au complet. Pour l'instant. Mais après, il y aura des trucs qui vont changer. Mais là, c'est l'armée qu'on veut. J'ai deux de surplus, mais j'ai pas les sous. Donc il me faudrait une guerre. Il me faudrait une guerre. Là, j'ai posé mes deux criques. Ah, il va y en avoir des guerres là-haut, mais bon. Je vais peut-être devoir raser ça. Histoire de... Oh, oui, parce que là, il est en train de blinder le truc. C'est pas très grave parce qu'on a des mortiers, mais bon. Quand même emmerdant. Ah, oh, il quitte. Pourquoi tu chies dans la colle comme ça?
Ok, ils sont en guerre avec Khemri. L'autre, il se dépêche de revenir, là. Alors, normalement, j'ai plus de déplacements que lui. Si ça, c'est sa portée maximum, je suppose que ça s'arrête à peu près à là. Ok, on a notre armée, il a son armée. Tout le monde a des armées. Même ici, je suis sûr que je peux faire évoluer mon navire à la base, mais... Ouais, c'est ça, j'ai 3 de surplus, mais j'ai pas de sous, en fait. Donc j'ai fait un peu moins de guerre que la dernière fois, quand même, hein. Il a pas réparé. Par où il passe? Oh non, j'aurais tellement kiffé qu'il passe par là. Du coup, ce serait manger de l'usure. Il aurait peut-être dit... Ah, attends, est-ce que je vais pas attaquer ça, moi? Non! Donc, on sait qu'à un moment, on va être emmerdé par eux. Hein. On le sait. Et ça, on s'en fout. C'est qu'il se déplace vite, quand même. Hein. Regardez. Normalement, il a pas la portée après. Hein. Ça? Non, on peut pas ça. Donc du coup, c'est ça. Il aime pas beaucoup que je tape lui, hein. J'ai déjà tellement de guerre. Ah là là. Ouais. Bon, allez, refais-toi, toi, vas-y. Gagne en force. Casse-lui la gueule. Moi, je crois en lui, hein. Is ready to sail. Wait. What? Non. Pas grave, c'est pas grave. Je pourrais rentrer dans tes guerres. Tu m'aimeras. Je te forcerai à m'aimer. On s'appréciera, tu verras. J'en suis sûr. Non, il y a un fameux debuff de guerre passée, je crois, ou un truc comme ça. Je vais l'apprendre à m'aimer. Faut juste prendre son temps. Envoyer des fleurs de temps en temps. Alors attendez, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que s'il fait ça, là au prochain tour, je peux attaquer ça. Ouais. Alors, je peux attaquer ça ou attaquer son navire. Au choix. Mais si j'attaque ça... Alors si je vais là, il me voit pas. Si je vais là, il me voit. Parce que ça, je lui raserais bien là. Hein. Je vous le dis... Histoire de lui rappeler que... Interdit de construire tout ça là. Surtout... Putain, c'est déjà défendu derrière... Avec cette armée, il a jamais le temps de revenir. Ici, ça me permet de régène. Derrière, normalement, je peux me casser. Faut juste pas qu'il ramène cette armée. Parce que là, il a déjà double armée, lui, ce con. Ça, ça me plaît.
Ça, ça me plaît. Parce que là, ça, c'est un gros bœuf d'argent, ça. Il faut une preuve d'amour. Avec qui tu peux y arriver. Je crois en toi, moi. C'est bien, c'est Claude, il est en guerre contre l'or, donc il y a toujours moyen. Hein. Normalement, il me voit pas. Hein. Il me voit pas. C'est bon. Je vais pouvoir agresser sa ville. Yes. Ta ville sera à moi. Allez, droit devant. Le seul problème à ça, là, je vous dirais, on est tellement au début qu'en vrai, si on fait ça, est-ce qu'on y perd vraiment? C'est un départ court pour l'instant, donc c'est pas grave en vrai si on perd déjà là. Hein. Mais... Regardez la mise à sac, 6000! 6000! 6000, c'est beaucoup! 6000, j'aime bien moi! Oh. Le problème, c'est qu'après, je vais avoir du mal à avancer! Mais je crois que quand il fait ça, à mon avis, sa portée de déplacement, elle doit s'arrêter à là à peu près. Donc s'il m'attaque, je peux reculer. Lui, il est en mode courir. Alors par contre, va falloir trouver un moyen de courir derrière. Quoi le truc bleu à Miraglano? C'est un petit event où la ville se fait attaquer en fait. Par... Alors, il faudrait que je te retrouve l'event. Je sais plus où il est. Non, je peux pas me refuser ça. Hein. Je peux pas me refuser ça. Hein. L'idée, c'est que j'attaque par là. Comme ça, je recule correctement. Et s'il m'attaque, je recule assez loin pour pas qu'il puisse m'attaquer. Ok. Normalement, le plan est bon. On peut gratter encore un peu. Voilà, on fait ça. On défonce son armée à l'intérieur, ça c'est sûr. Normalement, le plan est bon. Ouais, c'est un event où bah, t'es censé subir des dégâts dans la ville, mais je sais pas exactement. Je me souviens plus de quel type de dégâts que c'est. Si c'est sur tes armées, si c'est sur tes bâtiments, si c'est les deux. Donc le mec a quand même décidé déjà de mettre des défenses comme ça. Alors ça, c'est pas habituel ça normalement. Hein. Normalement, il met pas des défenses ici. Après, ça c'est totalement aléatoire. Hein. Ça là-dessus, des fois il va en mettre, des fois il va pas en mettre. C'est comme ça. Hein. Mais là pour le coup. Il en a mis le margoulin. Après, ça tombe. Mais bon. Bon, c'est le bordel, c'est normal, hein. Ok, j'ai mon cadavre pourrissant. Il va aller par là. Ouais. Alors, tac, 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 ça, 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 ça. Attention! Merde. Merde, 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 merde. Voilà. Queen of Tides! Ernesta! Arms and flesh.
Au départ, il prend cher, c'est normal. Il m'a tenu envie de gueuler comme lui. Attention, j'arrive! Qui c'est qui va faire un câlin? On va attendre qu'il se régène un peu. Ok. Je pense qu'il peut rentrer maintenant. Oh non mais frère, ah, qu'est-ce que quoi? Ah ouais? Vous voulez changer des balles? Avec des zombies? Voilà. Allez, cassez-vous!
Non mais oh, apprendre moi. Donc déjà, économiquement, il est affaibli. 626, c'est bon. En plus, on, avait que c'est, on a vu que c'était la comment l'unité de commandement dans la zone. Une fois que j'ai vu sa petite étoile dessus, j'ai fait « Ah, toi, un câlin !» Voilà. Et là, normalement, ça c'est cool. Il va quand même le donner à moi. Et on va se mettre ici. Du coup, je crois pas qu'il soit capable de m'attaquer. Je sais pas en fait. Parce que regardez, là je peux me mettre safe hein, si je vais là. Hein. Je peux me mettre très safe. Hein. Si je vais là, je suis safe de fou. Est-ce que je vais être safe à ce point? Ou est-ce que quand il va m'attaquer au final je vais reculer, il pourra pas m'avoir? Parce que là il a l'air de pouvoir aller jusqu'à là-bas. Je comprends pas en fait le mouvement de bloquer là, mais pas de bloquer là. Là, il a l'air de pas pouvoir avancer, mais ici, il peut. Donc, comment, en fait? Est-ce que moi, je dois courir jusqu'à là-bas? Et dans ce cas-là, je suis inchoppable? On va déjà mettre des points, comme ça, ça sera fait. Ah, il a 2 points, ça, c'est bien. Donc, il est devenu plus résistant. Là, c'est... il arrivera sûrement à m'attaquer, mais... Vous voyez, quand je fais ça, il me dit que c'est en 2 tours. Non, je crois que je peux, hein. Je crois que je peux, hein. Et du coup, ça me permet de faire ça... Ou plutôt ça. Ça, ça coûte 4. Hein. Mais ça, ça me dévalise tout mon argent. Ah non, ça me coûte toute ma surpopulation. C'est ça l'idée. Ouais. Allez, un petit peu plus de reconstitution dans ce cas-là. Ça, ça fait du bien. Le tromblon. Et on passe. Ah, j'ai déjà le nain qui arrive sur ma gueule. C'est pas bon signe, ça. Hein. Ça veut dire qu'il se fait chier, quoi. S'il arrive quand même à m'attaquer. Mais je peux reculer. Après, est-ce que j'ai envie de reculer face à cette armée nulle? Je vous avoue que j'ai envie de la tenter, hein. Parce que là, du coup, ça veut dire que je continue à régène. Beaucoup vont abandonner le combat avant d'arriver au contact. J'ai un chien. En fait, j'ai 4 unités pour aller chercher ces arbalétriers, ça c'est très bien. Et le reste, ça va être en contact et ça va repousser ça.
Et les pistoliers, bah faut juste les ignorer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai 4 unités pour aller les chercher. J'ai le Mongul, j'ai 2 milices de Sartosa et j'ai des chiens galeux. En plus, je suis en mode campement, donc du coup, j'ai une meilleure défense. Ah là 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 là, se contente pas. Mais je gagne un temps fou en fait si je fais ça. Je me vois gagner vraiment un temps de malade si j'y arrive là. Oh, on la connaît bien cette map, hein, à force. Alors le seul problème avec cette map, c'est que les arquebusiers, c'est difficile à exploiter, les canonniers aussi. Eux, on s'en fout, c'est des mortiers, mais le reste... pas si mal. Ok, parfait. Ça touche pas bien là. Pourquoi il tire si mal d'ailleurs là? Ah, visez mieux que ça s'il vous plaît. Vraiment, vraiment. Faut vraiment viser mieux que ça là. Attention à elle parce que l'air de rien elle prend cher. Ok. Free
Archer! Formation! March! We obey! Ernest! No! Okay! Color ready! Three companies! Ok, on va faire les choses dans la douleur, mais on va le faire quand même. Ok. Ils font mal là. Donc on a perdu les chiens, mais c'est pas grave. Ça se voyait que ça allait se faire dans la douleur là. Allez, tu les tues, s'il te plaît. Allez, tu peux bien viser. Non. Non. Non, t'y arriveras pas. Si, si. Bon. Donc, on a pris cher, on a perdu les chiens, mais les chiens, c'est pas le plus important pour nous. Putain, j'ai un tireur à 17, mais mon dieu! Qu'est-ce qu'il a branlé? Je l'ai mal positionné. Ok. Ever been press gagged before? Listen here, lover. And listen. Je pense que j'ai besoin de régène, non? You're my crew. Pardon. Ou alors j'ai besoin d'argent et je retourne à la maison. Maison argent, c'est bien aussi. Hein. Il est peut-être même pas capable de retourner chez lui. Oh, il est pas capable. Argent. Ok. On va voir ma régène. Quitte à perdre un machin. Oh là 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 là, l'aîné cassé qui se déclare la guerre. I'll ignore that. Oh, ça c'est déjà défendu ça. Yes, the winds blow true. Ça vaut que dalle. L'attaque éclair, tu l'as pas. Ce qu'on peut tenter, c'est un bait. Un bait de la seconde armée qui va peut-être arriver à toute vitesse. Parce que là, du coup, si j'attaque ça... Bah déjà, d'un, je régène pas assez. Il faut que j'aille recruter de nouveau, je pense.
C'est moche, mais c'est comme ça. En plus, c'est au prochain tour que je peux recruter. Résistance à la magie. Zuber. Donc, ouais. Je pense qu'on va là. Il n'y a pas de mur, donc son armée, ça se détruit. Le problème, c'est que ses archers sont encore trop présents, à mon goût. Beaucoup trop présents, mais bon. On peut recruter. C'est bien ce qui me semblait. Et on va pas se gêner pour ça. Hein. Je me demande quand même si c'est efficace les sorts là-dedans. Baiser des profondeurs. Ça fait durée constante autour de soi avec les ennemis à portée. Ah! Ah bah c'est peut-être ça qu'on va prendre au final. Parce que c'est plus là-haut que je veux moi. Gardien du domaine. Ou agressif. Ils sont pas fous hein. Je suis sûr qu'il y a mieux à côté. Écoutez, c'est un taux de recherche de 10% qui, j'espère, nous carriera sur le temps. On peut aller reconstituer nos troupes, du coup. On peut augmenter ça. Mais pourquoi je peux pas... Ah, il me manque 4. Ouais. On va autant améliorer ça, alors. Hein. Le tromblon. Elle a pas up. Et on va essayer de faire up tout le reste, hein, simplement. On veut de nouveau notre cadavre pourrissant. L'avantage, c'est que si je recule, normalement, là... Ah, quoique. You might be right. I've got your bearing. Normalement, si je recule, là... Ouais, là, il osera jamais m'attaquer, mais bon. Mais bon. On est à combien de temps là? On est à 1h15. Ok, je vais voir si je peux réattaquer de nouveau Lucchini. Ce que j'aimerais bien, c'est que les orques les attaquent aussi, mais ça m'a l'air compliqué tout ça. Par contre, il y a peut-être moyen de refaire entre guillemets une... Une alliance avec les elfes sylvains. Les elfes sylvains, c'est un bon parti quand même. Hein. Ok, donc toi, tu vas retourner où, toi? Waouh. Alors là, je vois un bait possible. De nouveau. Écoutez, si ça marche, j'ai 30 vs 20. Mais il y a 30 un peu mal en point. Et à moi de lancer des sorts pour faire des AOE autour de moi. Donc là on est full. Bah quasiment, quasiment. Une armée de 14 avec une armée de 7. C'est déjà trop. Absolutely not. The tides. More moving, less moaning. Buccaneer of the dead. Time to press gun. C'est déjà trop. On a une armée, bah là il va falloir attendre le bon moment simplement. Il peut être très très long. Je vous l'avoue. Mais bon. Est-ce que j'ai le choix? Je ne crois pas. Alors là, on va peut-être se dire ordre public ou corruption, non? Option adjacent. Marrant, ça génère de l'argent à un moment. 20. 20, 50%, c'est de la merde.
Du coup, si je fais de la corruption... Il y a plus de corruption scaven que de corruption vampirique, quoi. J'ai pas eu trop de problèmes d'ordre public ici, mais par contre... bâtiment de croissance pour améliorer, il faudrait que j'ai l'argent. De toute façon... et 6, ouais. 9, ouais, il va falloir faire des sacrifices, quoi. Ah, par contre, ça booste quand même la, les copains à côté. C'est pas si mal au final. Et ça permet d'être positif tout le temps. Après, ça, je sais que je l'avais pris pour. Tous les bâtiments, voilà, de cette région. 10% en moins. Bah, croissance, le problème, c'est que je suis pas pressé d'améliorer. J'ai pas l'impression que je dois être pressé. Maintenant, tout à l'heure, je crois que j'avais parlé de croissance, mais... On va quand même le faire. Vous savez quoi, on va quand même le faire. Easy pickings around here. Allez, ça me permettra de recruter les Prométhéens, ça. Et j'ai plus de sous. Alors, si l'autre retourne, je suis full. Est-ce que je peux y croire? 14 plus... Plus 12. Donc, ils sont 26. 26, c'est beaucoup quand même. Hein. 26, c'est beaucoup. Hein. ~26 contre 20, ça me paraît un peu ambitieux. Maintenant, si je le fais, une fois de plus. Et pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Salut Guy! Bon vent, Captain. Ah, pour l'instant, on espère que le vent passe, là. Miragliano, il faut qu'elle soit à nous, un moment. Ah, regardez, ça attire son armée, hein. C'est très bien les orques là qui occupent. Si j'avais l'attaque éclair, l'attaque éclair. Si j'avais l'attaque éclair. Par contre, ces deux armées. Ça m'apporterait quoi d'aller rush les Bretoniens du coup? Parce que là j'ai déjà mis les crics que je voulais. Pour me faire de l'argent en attendant. Combien elle me rapporte si je les attaque? 7009. Le problème c'est que je vais attirer le nain si je fais ça. Après ils sont plus que 10. Il y a eux que je vais attirer. Je sais pas, je suis pas sûr. Bah j'en suis pas loin mais il faut que je l'aie quoi. Ok, on a des infos sur comment il peut attaquer. Donc j'ai pas mal envie d'attirer ses armées. Je pense qu'il aura du mal à revenir en arrière s'il fait ça. Je veux voir. J'ai pas le choix parce que si je vais en mer. Après en mer c'est possible aussi. En mer, on est full. En soi, on est normalement plus à l'aise qu'eux. Visiblement, sa portée d'attaque, c'est par là. Donc si je vais là, j'attire les deux, je les défonce. Je pense qu'en mer, j'ai pas à craindre.
I will not obey. For Sartosa! Lanho! Écoutez, j'ai envie de tenter en mer. Parce que normalement, il va avoir du mal à revenir après. Il est beau le bateau. J'ai envie de tenter et à la limite... Il est peut-être attaquable lui. Hein. Ouais mais pas tout de suite. Et attaquer ça. 7... Ouh. Ouh. Ouais. Not likely. Sartosa's most infamous. Ah, attendez. I refuse. Que lui... Sigma, no. C'est lui qui est dans... au port. Fear potentiellement... Ouais, il doit avoir à peu près la même portée. Je pense qu'en me mettant là, ça change rien. Mais c'est juste, je voudrais voir le meilleur angle possible pour peut-être aller rush là-bas. Et attaquer Miragliano et refaire un traité de paix, enfin un nom d'agression avec l'autre. Non, embuscade, ça m'étonnerait qu'il m'attaque Sartosa. Personne veut attaquer Sartosa, je sais pas pourquoi, mais... Si ma ville semblait nulle, je l'aurais fait. Mais ma ville, ils en veulent pas, enfin... Ils essayent même pas. Ah ah ah. Non. Oh. Non mais si c'est juste pour switcher. Oh par contre mon gars. Enfin mais non, non, non. Comme d'habitude. Il y a un chouïa trop d'armée là-dedans maintenant. Ah par contre ça peut être de l'argent. Les nains. Ils sont combien? Ils sont 20 là? Ah ouais, non mais c'est beaucoup trop défendu! Et pourtant j'ai envie de tenter! Si j'y arrive, j'attire l'autre! Et là-bas, du coup... Lui c'est de l'argent facile, mais lui du coup il va pas se laisser faire. Ouais, 30 c'est quand même beaucoup hein. Enfin 14 et 12. Quand même à 26 unités hein. 26 ça commence à faire beaucoup hein. Mais là, je me vois pas avancer. C'est ça le problème. C'est que si je décide d'aller en bas, bah j'ai nain bretonien sur la gueule. Si je décide d'aller là pour atteindre Miragliano, bah, j'y arriverai pas. Moi, j'essaye de bait son armée, mais il n'y a pas l'air de vouloir venir. Écoutez, je vais me mettre ici. On verra ce qu'il fait. Peut-être que l'autre viendra en bateau à fond aussi. Là, franchement, je vois pas. Je perds probablement beaucoup de temps, hein, mais... Je vois pas de solution magique. On va augmenter un peu la post-bataille. On verra. Regardez ça.
Cool. Cool. Quand toi t'es à fond, tu vas jusqu'à là. Donc finalement t'arrives pas à la défendre. Bah écoutez les gars, je crois que c'est bon, on peut prendre Miragliano. Je crois que c'est bon. Et ainsi redescendre après. Lui, il attaquera pas Sartosa. Je vais pouvoir régène de malade. Après, il va falloir que j'accepte de faire des... Alors, me dites pas, parce que je vous jure, je rage littéralement si ça le fait. On verra bien. Mais normalement, si c'est pas à ce tour-là, il y a moyen que ses défenses restent comme ça. Si elles restent comme ça, je ne prends quasiment rien de dégâts. Si elles restent pas comme ça... Rage incoming. Parce que là, vous la voyez la défense, hein. D'accord. Potentiellement, au prochain tour, il y a beaucoup plus. La 3, bientôt 4, ça c'est cool. Bon, ça, ça devrait les calmer. C'est tellement nul ça. Par contre, sur l'autre région, ça sera bien. Est-ce que ça bloque même en mer? Ça, je ne sais pas par contre. Et au niveau des trésors. Oh non, non, non. Ah, je vais occuper. Ah, j'occupe Miragliano. J'occupe Miragliano parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Si je veux pouvoir me défendre. Et derrière, je vais essayer d'investir de l'argent pour des murs. Et là, en gros, on va être sur une session un peu qui stagne. Mais une session où on va se défendre. On va défendre notre territoire souvent. Et on va essayer d'aider Ikit. Pour l'instant, j'ai toujours pas déclaré la guerre à l'autre. Donc là, vous voyez, il court à fond. Ah, même pas! Le con. Alors soit c'est parce que il vient de up comme par hasard le bâtiment. Et dans ce cas là il y a une défense de malade. Qui reste faisable mais qui est chiante. Soit j'ai de la chance, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Il y restait 3. Parfait. Parfait. Je m'en fous d'Amanar, moi. On va les couilles, lui. Moi, c'est la ville que je veux. Ah, oh, putain. Ok, Miragliano est à nous. Et salut, Ounette, comment tu vas? Miragliano est à nous. Maintenant, ces deux armées, on peut les choper très facilement. Ça, c'est pas un problème. Les deux armées, je peux arriver à les isoler. Mais il va falloir se défendre contre les rebelles non-stop. Et il va falloir les prendre de court, les rebelles. Parce que les rebelles des côtes vampires, c'est pas des rebelles de merde. Clairement, ça, je comptais m'en servir pour me feed. Mais non, ça marche pas comme les vampires. Les côtes vampires, c'est... L'armée rebelle, c'est 3 niveaux au-dessus de ces des vampires. Au moins. Hein. Et j'exagère même pas quand je dis ça en plus. J'aimerais pourtant. J'aimerais faire le Marseillais là-dessus, vous voyez ce que je veux dire? Et non! Non, 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 non. Donc Sartosa. Ça. Le cadavre. Ah, mais il n'y a plus les chiens, c'est vrai. Faut pas oublier, Miragliano est pas mal défendu par par des tours à canon, je crois d'ailleurs. Je crois que c'est défendu. Il y a des tours à canon dessus. Si mes souvenirs sont bons, donc il va falloir très très vite prendre les murs. Mais ça, c'est parfait, elle.
sentir rancunier. What? Ok. On va essayer de bien faire. Oui, moi aussi. J'ai mon chat qui m'appelle en bas. Eh, attends, je suis en pleine bataille. Allez, 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 vite, 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 vite. Good. Watch me see, father. Taking position. Yes. Elle prend cher, mais elle prend pour les autres. Mais non. Reste là, je comprends pas. Je comprends pas ce truc là. Ah, c'est lui! Mais quel trou du cul! C'est lui qui est occupé! Ok. Ok, parfait. Le cadavre, tu le ramènes. Allez, cassez-vous! Oh, on veut pas de vous! Ouais, bah monte, monte ici, tiens, toi, discrètement, toi. Qui veut faire un gros câlin? Et après on envoie les Prométhéens, on envoie tout. Hein. Et pas de pourparlers. Hein. Ok, c'est bon. Il veut un gros câlin. Je m'éclate avec cette unité. C'est du gros mongul. Allez, go, 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 go. Ah non, 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 enfin si, remarque, remonter sur les murs, c'est pas mal.
Allez. Assurez-vous qu'ils abandonnent bien, ouais. Allez, go, c'est bon, on peut enfoncer là. Voilà. Oui, 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 clairement, il y a le tirami. C'est pour ça qu'il faut absolument changer de cible quand tu sens que... Ok. Ouais, non, non. La ministre de Sartosa et tout fait vraiment le café. Ils font ce qu'il faut. Il faut souvent changer de cible. Quand tu sens que tes troupes approchent, tu rebalances. Alors après, tu augmentes ta précision grâce à l'artilleur. Donc t'espères que ça fasse encore des dégâts plus précis, vraiment sur des points clés, mais. On occupe. Non, 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 non. Non, 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 non. J'avoue, j'ai eu une petite hésitation. Je me suis rappelé que non. Non, c'était pas bien. Tout à fait. Alors, ça va peut-être pas plaire aux elfes sylvains, mais si jamais... Cool! Ah bah voilà, regardez. Du coup, on se remet à flot. On a gagné des sous. Des bons petits sous. Oh, il y a un orage ici. Tiens, mange ton usure, mon gars. Allez, mangez votre usure, là. Qu'est-ce qu'on a perdu? Le cadavre. Qu'est-ce qu'on peut recruter? Rien de tout ça. Rien de tout ça, mais dès que je pourrai, j'irai chercher les Prométhéens pourrissants. Pour l'instant, je peux pas. Donc pour avoir ça, il faut que... J'upgrade ça, j'ai pas assez, donc je touche pas. Ok, du coup, on va s'arrêter là pour YouTube. On a finalement eu Miragliano. Donc on peut pas l'avoir au départ, donc c'est pour ça qu'on fait notre détour. J'espère que ce try-là va bien se passer. Donc en gros, on capture ça, finalement on retourne ici, on crée une armée, on passe là, on check rapidement si jamais il y a un changement aléatoire, peu probable. Pour finalement attaquer un vampire ici, pour que l'autre attaque, pour finalement rattaquer ici. Et généralement, on se déplace jusqu'à là-bas parce qu'on se fait poursuivre par tout le monde. Voilà. Des gros bisous et j'espère vous dire au prochain épisode. Ciao, ciao.